Béni soit le lien qui nous unit en Christ, de saint amour, amour divin, que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, c'est en plein que nous rêvons. S'élève nous chanter nos voeux, afin d'où, ô Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux. Jésus, nous le sommes un dans la joie et les peurs. Si nous devons bientôt quitter ce lieu béni, chapitre 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine, la mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Je connais ce Dieu puissant, qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel grand et fort le prend. L'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp. Moi je confiance, l'Éternel est là. Nous te disons merci, notre Père céleste, notre Dieu. Nous te disons gloire te soit rendue encore pour ta bonté à l'endroit de ton peuple, mon sauveur. Tu es réellement le Dieu merveilleux, Seigneur. C'est vrai, nous étions titubant à gauche et à droite, marchant comme nous le voulions, mon bien-aimé Père Saint, mais tu nous as accordé réellement cette grâce et ce privilège de pouvoir entendre ta voix dans ce temps, mon bien-aimé Père Dieu, où nous étions en train de pouvoir nous fourvoyer dans beaucoup de choses pour que réellement que nous puissions réellement réaliser que nous sommes un peuple qui t'appartient.
Béni sois-tu encore pour le travail que tu as fait, mon bien-aimé Père Dieu, et que tu continues encore à pouvoir faire, mon roi, pour faire de nous un peuple qui t'appartient, Seigneur. Nous sommes là, nous laissons tondre par toi et désirant davantage que tu fasses ton œuvre, ton travail dans chacun de nos pères. Que toi, tu puisses obtenir ce que tu attends de chacun de nous. Sois béni encore ce soir pour ce moment que nous donnons encore la grâce de nous retrouver encore, Père Saint-Dieu, dans ta maison à toi, Père Saint-Dieu. Pour chaque cantique qui a été chanté aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour chaque prière aussi qui est montée encore devant ton trône de grâce. Je te remercie, mon bien-aimé Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais, mon sauveur. Merci encore pour la santé que tu nous as donnée. Merci encore pour la délivrance que tu nous as accordée, pour la joie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour tout ce que tu as et même aussi pourvu pour nous parce que tu as toujours pris soin de chacun de nous. Nous te implorons encore la grâce pour nos péchés, nos manquements, Père. Pardonne-nous encore, mon bien-aimé Seigneur. Nous revenons à toi parce que nous savons que sur le point de toi, tu vraiment le pardon afin qu'on puisse te craindre, toi le seul et puissant Dieu, mon roi. Merci encore pour chacun qui s'est encore tourné vers toi encore ce soir, mon bien-aimé Père Dieu, avec considération encore davantage pour ce que toi, tu as devoir faire encore dans ce temps où nous sommes. Sois béni et glorifié. Merci pour ce que tu fais encore quand nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous réjouissons et que heureux aussi de pouvoir entendre tous les chants et les cantiques qui ont été chantés avec autant d'amour aussi, autant d'allégresse pour ce que le Seigneur notre Dieu est pour nous. Et aussi pour ce qu'il fait réellement aussi pour nous. Nous pouvons le constater aussi dans les Saintes Écritures, comme la Bible dit, ils étaient alors très peu nombreux, et il ne permit pas qu'on le touchât. Notre Dieu veille et continuera toujours à veiller sur ceux qui sont réellement à lui. C'est comme cela qu'il pouvait le dire aussi, rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait donc alliance avec moi par les sacrifices. Dieu, notre Seigneur, s'occupe de ce que lui, il a déjà déterminé. Et comme nous pouvons aussi le constater dans sa parole, ce qu'il est vraiment un Dieu qui sait ce qu'il fait. Et quand il dit quelque chose dans n'importe quelle circonstance, effectivement, il sait pourquoi il le dit aussi. Et si nous nous accrochons davantage à lui, selon ce que lui, il a eu à pouvoir déclarer, alors nous sommes vraiment heureux parce que ce que Dieu a eu à pouvoir prononcer, cela va réellement se passer ainsi. Ainsi donc, nous nous souvenons de ce que les Saintes Écritures nous faisaient part, effectivement, que tous les hommes sur la terre, leur cœur était continuellement tourné, leur pensée continuellement tournée vers le mal. Mais il y eut un homme, effectivement, du nom de Noé, comme l'Écriture le dit, et il raconte encore davantage que Noé trouva donc grâce aux yeux de Dieu. Et c'est à cet homme-là que Dieu va donner une parole d'impossible, là, pour qu'il puisse arriver à pouvoir réellement aussi se mettre au travail pour quelque chose qui ne pouvait jamais frapper effectivement aussi la conscience normale d'un être humain et qui faisait effectivement probablement pas partie effectivement de la structure même, de la conception même de l'homme. Parce que ce que Dieu demandait à l'homme était impossible à la conscience, à la subconscience et aussi effectivement à la pensée même de l'homme. Jamais la pluie n'est tombée du ciel, il n'a jamais été vu qu'il y avait de l'eau dans le ciel, mais lorsque lui créa les cieux et la terre, il plaça effectivement dans les cieux. Évidemment, nous avons lu avec vous ici dans les Saintes Écritures, démontrant comment les eaux qui sont au-dessus des eaux, il démontrait qu'effectivement que Dieu en avait effectivement en réserve de l'autre côté là-bas. C'est pour ça qu'on dit dans les Saintes Écritures qu'il ouvra les écluses des cieux. Nous devons savoir que dans toutes choses, dans toutes circonstances, Dieu a toujours raison. Et ça, qu'on le croit ou on le croit pas, mais il aura toujours raison. Parce que ce que lui, il a eu à pouvoir déclarer, c'est cela qui va certainement se passer. Et cet homme trouva grâce aux yeux de Dieu et il a cru à ce que nous pouvons aussi réaliser et comprendre que c'était donc l'impossible. Qui ne pouvait même pas être palpable parce qu'on ne pouvait même pas monter à l'imagination de l'homme parce que pour que ça monte à l'imagination de l'homme, il faut que l'homme ait vu en fait la chose à un certain moment. Mais là, c'était absence totale et jamais quelque chose pareil ne s'est donc passé. Mais nous réalisons que notre Dieu a eu à pouvoir travailler ainsi avec
des gens dans cette époque lesquels il a eu à pouvoir prononcer cette parole. Et nous constatons qu'effectivement que beaucoup, beaucoup, beaucoup n'ont pas cru à cela. Seulement 8 personnes. Donc nous comprenons qu'effectivement que ce n'est pas la quantité que Dieu cherche effectivement ou qui peut plaire effectivement aux yeux du Seigneur. Non, c'est pour ça qu'il a dit, bon, ne craignez point petit troupeau. Quand il parle de cela, effectivement, il parle de son peuple qui est aussi dispersé sur la surface de la terre, évidemment, qui a un caractère, une façon de pouvoir concevoir et voir les choses différemment des autres nations. C'est pour ça que nous comprenons que quand l'apôtre Jacques, je pense qu'il a pris la parole, qui a annoncé effectivement ce que Pierre pouvait dire effectivement sans l'expliquer, il a dit qu'effectivement, que, donc, c'est que Simon a raconté que Dieu a jeté d'abord le regard sur les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui devait porter donc son nom. Donc, parmi les nations, effectivement, il y a un peuple. Et ce peuple, effectivement, il est particulier par sa façon de pouvoir être effectivement aussi. Je le crois que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu aussi, par la bouche de Pierre, effectivement, dans 2 Pierre, je pense, 1 ou 2 Pierre, effectivement, où il nous relate effectivement ce que nous sommes, effectivement. Je pense que c'est 1 ou 2 Pierre, je pense, je vais te prendre dans les Saintes Écritures, dans le livre de Pierre, je suppose que c'est cela. Un Pierre ou deux Pierres, je pense que ça doit être quelque part là. Et voilà ce qu'il dit. Et si qu'on dit ça, c'est comme... Voilà. Dans un Pierre au chapitre 2, je pense que c'est cela. Il nous fait savoir cela, effectivement. Et voilà que un Pierre au chapitre 2 et le verset 1, je pense que c'est là, verset donc 4... Et même verset 3, il dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc les hommes l'ont rejetée, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même aussi, comme des pierres vivantes. Quelle relation, n'est-ce pas? De réaliser effectivement que tel il est, tel nous sommes appelés à être. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous voyez, on ne doit pas faire les choses comme cela nous plaît, comme nous pensons que ceci est bon pour nous. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier que Dieu a placé dans ceux qui sont dans son programme, c'est l'obéissance. Oui. Dieu place effectivement l'obéissance. Vous voyez, comme on peut le constater aussi avec cet homme, et comme on l'a cité tout à l'heure, Noé, c'est quand Dieu a parlé à Noé, tout ce qui était à Noé, effectivement, a eu à pouvoir simplement ponctuer la main dans ce que Dieu lui a dit. Et Noé obéit, il a obéi à la voix de l'Éternel. Et il a commencé à faire quelque chose qui, aux yeux de tout le monde, effectivement, le brandait, démontrait qu'il était fou, donc hors de sens, effectivement, et arrivait à pouvoir faire quelque chose qui... Au point de vue pensée humaine, effectivement, c'était inconcevable. Mais là, nous voyons que même dans cette condition, cette constance, où toutes les pensées, le cœur des hommes étaient continuellement, je relis, tourné vers le mal, mais cet homme-là, il a eu la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible dit que Noé, en son temps, Noé marchait avec Dieu. Et il avait la crainte de l'Éternel. Donc, effectivement, qu'il a cru à Dieu, effectivement, même si cela n'avait jamais flairé sa conscience et son subconscient, effectivement, mais il a cru à l'Éternel, et voilà que la foi l'a conduit à pouvoir réellement aussi faire des choses qui, quand on n'en a pas, on ne peut pas arriver à pouvoir le faire. C'est la grâce divine de Dieu. Comme la Bible dit, Noé trouva donc grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, alors il dit, édifiez-vous, effectivement, comme l'avons dit ici, vous approchez-vous de lui, pierre vivante, c'est par les hommes, il dit, vous, et vous-même, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par toujours Jésus-Christ. Parce que, tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, qu'on peut... D'ailleurs, je pense que nous avons pu à pouvoir les lire ici. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment beaucoup de choses. Évidemment, comme j'entendais dans une discussion que j'ai eu à pouvoir entendre, parce qu'on me l'a
fait part effectivement. Et, vous savez, le Seigneur est celui qui ouvre les yeux des uns et les oreilles aussi des autres. Alors, cette personne disait donc, frère qui disait que oui, que Jésus est prêché dans les dénominations, dans les églises, effectivement. Donc, bon, bref. Bah. Alors, c'est normal qu'il puisse réagir comme ça. Ils doivent prêcher effectivement ce qui prêche. Mais seulement, c'est là qu'on commet l'erreur aussi. Alors, vous voyez que dans les églises dénominationnelles, nous l'avons entendu ici. Vous savez, frères et sœurs, c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'apôtre Paul l'a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas de problème avec des hommes et des frères et des sœurs. On ne peut pas perdre notre temps en cela. Nous avons un ennemi commun. Ce sont les esprits méchants. Ce sont eux-là qui poussent les gens dans le... Parce que regardez très bien, frères et sœurs. Dans les dénominations, dans les églises, effectivement, comme on peut arriver à pouvoir les voir, ils prêchent les Jésus conformément à leur structure. Si. Les Jésus de Pentecôte, ou Jésus des méthodistes, par exemple, est différent des Jésus des protestants. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, qu'il y a un autre Jésus. Ça, c'est vrai, si, madame. Donc, le Jésus de Baptiste aussi, il est différent du Jésus de Pentecôte. Parce que les Baptistes, pour les Baptistes, évidemment, je pense que les temps des miracles sont passés. Donc, c'est-à-dire que chaque église dénominationnelle a son Jésus qui est donc taillé selon la domination dans laquelle ils sont. Mais ceux-là qui peuvent réellement parler de Jésus le véritable, ce sont ceux-là qui ont été éclairés par la vérité. Donc nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour que la Bible dit que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Donc nous sommes de ceux-là qui aujourd'hui, avec force, nous devons présenter au monde le Jésus de la Bible. Ce Jésus-là, il ne fait pas de vous un dénominationnel. Non. Mais c'est ce Jésus-là, effectivement, qui te délivre, qui te libère, effectivement, en fait. Qui te rend libre, comme la Bible le fait savoir, qu'il a dit que je suis venu pour libérer donc les captifs. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas, ne voient pas bien les choses, effectivement, de la manière qu'ils font en réalité. C'est pour ça que je disais, effectivement, que bon, bien, si nous avions le même Jésus, ben, nous ne serions pas divisés. Parce que Christ n'est pas divisé. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors si nous avons le même Dieu, nous serons unis. Parce qu'il dit, il nous fait savoir que édifiez-vous effectivement pour, pourquoi? Pour former une maison spirituelle. Nous avons été abreuvés tous par un seul esprit pour former un seul corps. Donc on doit se retrouver là, ensemble, parce que nous avons la même foi. Si nous ne sommes pas ensemble, c'est qu'effectivement qu'il y a un problème dans notre façon de pouvoir également aussi faire les choses. C'est évident, mon frère et ma soeur, il n'y a pas d'explication, c'est évident. Parce que les catholiques se rassemblent avec les catholiques. Et puis on dit qu'on prie un seul Dieu. Si on priait le seul et l'unique Dieu, on aura la même foi. C'est ça le problème que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que, frères et sœurs, si c'est réellement le Dieu que vous l'adorez, mais vous n'amènerez jamais quelqu'un à quelqu'un d'autre. On ne peut amener quelqu'un que vers ces dieux que je connais, qui a fait quelque chose pour moi. Donc voilà ce qu'il a fait, effectivement. Alors, j'amène l'homme à adorer ces dieux véritables. Et combien de dieux avons-nous? Parce qu'on a combien d'églises aujourd'hui? Combien de variations des églises? Donc, effectivement, on ne peut pas avoir une foi commune, c'est pas possible. Si on en a, parce que l'objectif même du Seigneur, que son nom soit béni, qu'il a dit que je bâtirai mon église. Et qu'est-ce qu'il a fait effectivement? Il a fait qu'il a donné ce qui est nécessaire pour que nous arrivions à la foi parfaite. Amen. Donc la même foi que tu as, la même foi que j'ai. Et cela n'est pas une histoire puisque cela s'est passé. Le jour de Pentecôte, messieurs, ils ont eu la même parole. Ils ont eu la même foi. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Cela est possible. Parce que cela s'est passé aussi avec l'église. Oui, monsieur. Ah oui, nous ne sommes pas des théoriciens. Nous, c'est que, et c'est sûr et certain que nous avons eu déjà la preuve de voir comment, quand la parole de Dieu est prêchée, comment elle peut agir dans le cœur de ceux qui croient.
C'est sûr et certain. Le diable, il est malin, il est rusé. Il floute beaucoup de gens, effectivement. Et les gens qui croient qu'ils sont spirituels, effectivement, qu'ils brandissent les mais frères, ils ne sont pas spirituels parce que Satan les a aveuglés. Leur intelligence. Vous savez, c'était qui, je pense, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, je suppose que c'est cela. Regardez bien, je pense que nous pouvons peut-être trouver dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Je pense que c'est peut-être bien. Et c'est cela, oui, ça. Voilà. 2 Corinthiens, au chapitre 4, il nous dit, verset 3. Il nous dit ceci, que vous y êtes. Si notre évangile est encore voilé, notre évangile, nous ne prêchons pas, il va les dire, si notre évangile est encore voilé, il dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Bien qu'ils entendent, mon frère et ma soeur, ils vont périr, c'est sûr. Écoutez bien, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est donc l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons effectivement vos serviteurs à cause de Jésus notre Seigneur. C'est sûr et certain. Notre évangile, cet évangile effectivement qui est prêché, mais ils ne peuvent pas le voir effectivement parce que ils sont donc voilés. Voilà, effectivement, comment effectivement le diable, lui, s'est réjoui en fait de pouvoir créer des divisions à gauche, à droite, effectivement. Bah, si on crée des divisions, c'est pour bien régner, hein. Hein, divisé pour régner, effectivement. C'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait. Il leur donne des choses qui n'ont rien à voir avec le salut, mais qui ont l'impression d'être le salut. Mais à vous, mon frère et ma soeur, Dieu nous a accordé la grâce, effectivement, de pouvoir non seulement entendre la parole, mais aussi de croire aussi à ce que Dieu a dit. C'est deux choses, mon frère. Tu peux aussi entendre et ne pas croire. Mais Dieu t'accorde la grâce, non seulement d'entendre, de dire mais gloire à toi, mais aussi de croire la chose et dire que la chose elle est vraie. Amen. Mon frère et ma soeur, ce que Dieu a placé en toi, il n'y a aucun homme qui peut l'enlever. Gloire à Jésus. Il dit autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière. Mon frère et ma soeur, si tu es lumière, je suis lumière, on ne sera jamais ténèbres, monsieur. Alléluia. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Nous devons réaliser la grâce que Dieu nous a accordée. Nous voyons les choses de la bonne manière. Pas comme les autres, mais sinon, notre vie, notre façon de voir est tellement différente. C'est pour ça qu'on doit combattre pour la foi. Qui a été transmise une fois pour tout au sein. Pas la soi-disant foi, mais la vraie. Cette foi qu'avait Abraham, c'est sûr et certain. Que tous les saints ont pu avoir pour croire. Et c'est que ne pouvait pas monter par l'Esprit de Dieu. Et de pouvoir rester effectivement confiant dans ça. C'est ce qui fait une différence entre nous et les autres, mon frère et ma soeur. Il faut qu'on voie la différence qu'il y a entre les ténèbres et aussi la lumière. Nous étions autrefois comme cela, effectivement, aussi. Mais ce n'était pas notre endroit. Ah oui, on nous a couverts de quelque chose, effectivement. C'est bien. Jusqu'à ce que... Et c'est comme ça que la Bible dit, effectivement, que la loi était un pédagogue. Donc, il nous maintenait ainsi, jusqu'à ce que la foi vienne. C'est pour ça que nous ne sommes plus sous ce pédagogue, parce que maintenant, nous voyons. Pour quelle raison? Parce que c'était l'ombre, là, de l'autre côté. Et l'Ancien Testament, et tout ce qui était fait de la loi, c'était l'ombre, non? Et maintenant, nous voyons, parce que nous sommes maintenant dans la réalité. C'est pourquoi que nous comprenons maintenant les choses de la bonne manière. Pourquoi Dieu avait-il dit comme cela? Parce que tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était des types. L'image, la manne, c'était un type. Isaac était un type. Est-ce que vous comprenez? C'était donc l'ombre là, c'était l'ancien donc. Parce que ces types là, on voit la réalité maintenant. On dit, ah, c'est ça que Dieu visait. Nous comprenons effectivement les choses et c'est un privilège, une grâce. Pour quelle raison? C'est comme notre frère Ghislain posait la question, effectivement, que c'est quoi les vrais adorateurs, effectivement? Parce que ceux-là qui étaient dans l'Ancien Testament n'étaient pas des vrais.
Maintenant, nous comprenons pourquoi il a dit, l'heure vient. Amen. Et après, il dit, elle est maintenant. C'est comme ça qu'il faut comprendre. L'heure vient, elle est maintenant. Ah, où le vrai adorateur. Amen. Gloire à Dieu, ce ne sera plus sur des montagnes là. Non. Amen. Dieu est esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous devons être sûrs et certains, mon frère, ma soeur, de ce que nous avons reçu comme dépôt. Autrement, tu vas errer. Comme l'Écriture le dit, effectivement, que afin qu'on ne soit pas flottant à tout vent de doctrine. Ça sort ici, je vais là-bas. Alléluia! Non, monsieur! Être stable dans ta marche. Bien sûr! Tu sais qui tu es, ce que tu as reçu comme sémence. Ah oui! L'urim et le tumim. Bien sûr. Amen. Vous savez, le trône là, avec Dieu est merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses. C'est ce que les soi-disant et les autres ne peuvent jamais comprendre. Oui, frères et sœurs, c'est la vérité cela. Parce que le maître lui-même l'a dit. Parce qu'il nous pose la question, il me dit, mais pourquoi leur parlais-tu en parabole? Et puis ils sont approchés, il me dit, mais explique-nous la parabole des livrets des champs. Hein? Quand le semeur est sorti, il a semé la bonne semence, effectivement, et puis l'ennemi est venu. Vous savez, vous connaissez cela? Et puis le Seigneur lui répond, parce qu'il a parlé beaucoup en parabole, et puis il dit, mais il regarde avec eux. Il dit, mais à vous, alléluia, à vous, il vous a été donné. Amen. C'est une grâce quand même d'être considéré et d'être parmi les vous, là. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que tout le monde peut entendre. Mais pour que son cœur soit accroché à ce que le Seigneur a dit. Oh non, frère, nous l'avons vu avec vous. Hein? Quand il dit, mais vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Je suis le pain de vie. Vous me regardez maintenant, mais vous ne me croyez pas. Et puis tu nous as dit, donne-nous de ces pains que nous mangeons de tous les jours. Mais j'ai dit, les voici. Amen. Ah ben les voici. Amen. Vous avez demandé, Dieu vous le donne. Parce que Moïse ne va pas donner les pains du ciel. Mais ici, c'est le pain qui descend du ciel, qui donne la vie à celui qui le mange. Alors, la voici. Puis, regardez, ah bon, c'est ça le problème, les raisonnements. Alors, vous demandez quelque chose de spirituel, Dieu vous les donne. Ah oui, c'est sûr et certain. Donc, nous devons être conscients, mon frère et ma soeur, que jamais, et ça c'est très important aussi, jamais le peuple de Dieu ne pourra jamais être comme les autres. Non, mon frère et ma soeur, c'est déjà comme nous l'avons entendu dans l'Écriture. Nous allons continuer dans 1 Pierre. L'avons entendu dans 1 Pierre. Ça, c'est dans Éphésiens au chapitre 4, effectivement. Oui, nous pouvons peut-être le lire en attendant rapidement aussi. Regardez très bien. Il nous dit quelque chose de très important. Éphésiens 4, il nous dit une chose, effectivement. Et c'est au verset 8. Il dit ceci que Éphésiens 4, verset 8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de quoi? Bien sûr, si nous sommes des enfants de lumière, mais nous devons marcher comme les enfants de lumière. Donc effectivement, qu'on ne peut plus marcher comme les enfants de ténèbres. Non, 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 ce n'est plus possible. Quand nous étions en train de pouvoir tâtonner, effectivement, dans les ténèbres, comme vous vous souvenez, tous les petits exemples qu'on vous donne, effectivement, avec les petits aiglons, effectivement, ainsi de suite. C'est quelque chose qui est assez puissant, qu'il faut quand même que je remercie le Seigneur pour cela. Et les petits aiglons étaient parmi les poussins. Ils étaient considérés comme étant un poussin. Vous savez, que Dieu bénisse notre précieux frère qui a donné cet exemple. Ce frère Banam, évidemment. Alors, écoutez bien. J'ai toujours, regardez, si vous réfléchissez bien cet exemple, j'ai dit, mon Dieu soit béni. J'ai dit, mais les petits aiglons, vous savez que c'est considéré comme un petit poussin. Pour quelle raison? Parce que jamais les poules, les cécines ne se regardent dans un miroir. Pour se dire, ah, je suis poule, j'ai la crête comme ça. Non, tu pourrais jamais voir une poule avec ses mirets. En tout cas, là, si tu le vois, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous connaissez quand même comment ça se passe même avec les canards, non? Quand un caneton naît, il te voit, toi, il est considéré comme sa maman. Vous connaissez cela, non? Donc, partout où tu vas, il va te suivre. Ah, il ne voit personne parce qu'il est pollu, il te voit, toi, donc il se voit comme ça, comme ça. Mais c'est vrai, c'est bizarre. Donc, cet aiglon-là, quand il est né, il a vu seulement que la maman poule et les petits poussins sont ses frères.
Et ses frères, comme ils mangent, ben, mangeons aussi ensemble. Il n'a connu que ça depuis la naissance. Mais sa constitution, il ne l'avait jamais vu commencer. N'avait fait attention. Mais quand c'est lui qui savait qu'il avait le sien quelque part, frère, non, il est mort pour toi, mon frère, pour te chercher, toi, pour te faire sortir. Toi, tu connais l'importance de sa mort, parce que tu connais maintenant la vérité. Alléluia. Les autres peuvent répéter, mais pas toi. Tu sais qu'il est venu pour moi, sans l'ombre d'un doute. C'est pour ça que tu peux l'adorer avec foi. Tu ne chantes pas pour répéter un cantique. Non, monsieur, tu chantes pour la reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. Et que tu penses, tu dis, mais Seigneur, donc depuis que j'étais dans les seins de ma mère, quand j'étais qui ne m'informe, tes yeux me voyaient. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, monsieur, oui, madame. Tes yeux me voyaient, éveillés sur moi, et tous les jours de ma vie étaient inscrits. Oh, gloire à Dieu. Satan ne peut pas raccourcir ta vie. C'est Dieu qui tient les choses. Il est tout simplement merveilleux. Ça, c'est notre Jésus de la Bible, frère. Il sauve, il guérit, il délivre, il libère, il pourvoit. Alléluia. Oh, gloire à son nom. Voici donc l'homme qu'il faut adorer, monsieur. Alléluia. Qu'il faut élever, monsieur. Jésus de Nazareth, de la Bible, mon frère. C'est celui-là. Qu'on nous déteste, il n'y a pas de problème. Qu'on nous rejette, il n'y a pas de problème. Notre seul ami, c'est Jésus. Mon frère, nous avons besoin de lui tous les jours de notre vie. Chaque souffle de ma vie doit réellement glorifier ce Jésus, mon frère. Oui, monsieur, jusqu'à ce que ce souffle s'en aille. Oui, monsieur, on ne vivra que pour lui. Jusqu'à la mort, nous te serons. Gloire à Dieu. Parce que nous savons d'où nous venons. Et aussi, ce que nous sommes sur la terre. Et c'est donc nous sommes censés pouvoir faire. Que Dieu vous bénisse, les venants.